Le micro de RFI. Vous partagez live les temps sont filmés alors, et puis vous likez si c'est possible. Si vous... Nous sommes en direct de l'hôpital du Cinquantenaire. Nous sommes devant la morgue ici, là où les députés nationaux veulent faire une déclaration. Réquilez les amis, réquilez. Nous, députés de l'opposition, nous venons de constater, après avoir hier entendu l'enlèvement de notre collègue Chérubin Okende, nous venons de constater son décès en voyant son corps cribré de balles. Et une balle dans la tête et plusieurs balles sur son corps, montrant que c'est un assassinat ignoble qui vient de se commettre contre un porte-parole d'un parti de l'opposition. Nous sommes en démocratie et nous estimons que l'opposition a sa place et qu'on doit tolérer, respecter les opinions diverses et que quoi qu'il arrive, peu importe les fautes qu'on peut commettre en démocratie, il y a une justice pour les gérer. Assassiner un député, c'est assassiner la démocratie. Et ça, nous ne le tolérerons jamais. On ne va pas nous museler parce qu'on a tué l'un d'entre nous. Nous continuerons à parler et à parler fort. Que le peuple congolais se rende compte aujourd'hui que nous sommes face à une dictature. Que l'on commence à museler la parole de ceux que vous avez élus pour parler à votre nom. Et donc, nous allons commencer des marches pour pouvoir protester régulièrement pour que le peuple se rende compte que nous ne sommes plus gouvernés par des gens civilisés, mais nous sommes face à des assassins qui tuent les personnes qui s'expriment. Mais quel lien entre son maire et le fait qu'il soit opposant? Nous estimons que ce n'est pas normal qu'il ait été convoqué à la Cour constitutionnelle pour se justifier sur les prétendus biens qu'il aurait acquis pendant qu'il était ministre et qu'à la même occasion il ait été enlevé et le lendemain il soit déclaré mort. Donc nous estimons qu'il a été assassiné dans les circonstances suspectes et nous connaissons son opinion qui est ferme face au pouvoir actuel après avoir quitté le gouvernement par conviction. Aujourd'hui, il sait s'exprimer régulièrement sur la marche du pays et nous avons l'impression que sa parole gênait les uns et les autres et nous croyons de cette manière qu'il a été assassiné. Donc nous estimons aujourd'hui qu'on doit respecter l'opposition. Si on veut de la démocratie, laisser la place à la démocratie. Soyons des gens civilisés, échangeons nos opinions et respectons-nous. Absolument, nous demandons une enquête internationale parce que nous estimons aujourd'hui que la justice congolaise est instrumentalisée et ne pourra rendre des jugements qu'en faveur des personnes qui nous gèrent aujourd'hui et qui ont confisqué la justice, qui ont confisqué la CENI, qui ont confisqué tous les instruments de la gestion de la République, y compris l'Assemblée nationale, qui a été pris à bout de billets de dollars. Merci. Linga, Honorable Chérubin Okende, Baotiko Bomaye, les alliés inadmissibles dans un pays qui se dit démocratique, Baboma, un député national, par rapport à ma conviction naïe. Yango, tous les gens, le peuple congolais Mobimba, et Telema, Endima et Loko Anate, qu'un représentant du peuple, Aboma Maloko, la moi, et ça est inacceptable. Et puis, si on a une opposition, donc ça, la activité, pour te revendiquer, pour te contester, maître Oye. Merci beaucoup.
L'honorable Chérubin Okende, on apprend qu'il a été assassiné cette nuit. On ne sait pas l'écho, on ne sait pas la cause réelle de son assassinat. On a constaté seulement dans des photos, on voit maintenant, voilà. On voit certains députés nationaux qui sont venus assister, députés nationaux aussi. Très bien, Okende, je vous rappelle que c'est un député national, ce sont ses collègues députés nationaux qui sont venus l'assister ici en direct de l'hôpital du Cinquantenaire. On les met sous les froids. Certains détails, on les ramasse ici si possible. Ok, voilà, il est assassiné.